It's May, joli mois de mai. Girls' knees are showing, their hair is blowing all over. Cause it's May, get high as honey. Throw away money and don't ever say no way. Monsieur, excusez-moi. Oui. Le train pour Toulouse, là, c'est pas affiché. Et faire ça hasard. Mais c'est mes yeux ou quoi? Ouais, je crois que c'est vos yeux. Tu t'es fait mal? Oui. Au genou. Bouge pas, je vais chercher des secours. Je ne sais pas de bouger la boutique, j'ai trop mal. Excusez-moi, je t'ai retenu à Paris par une chose, une copine quoi, mais une histoire sans intérêt. Quel est votre nom? Jessie. Et toi, c'est comment? Dux, avec un D. Et où sont vos parents? Ils sont en forfait. Ils m'ont chargé de récupérer la clé pour l'appartement. Alors, famille Dux, appartement 14, on attend vos parents? Non, mais fais-moi la visite. On a presque le même âge, tu peux me tutoyer. Ah, je suis embêtée. Il n'y a pas de chambre double comme j'ai demandé? Mais là, les chambres doubles, c'est pour les parents, c'est pas pour les enfants. Je suis désolée. J'avais demandé une chambre double pour mes parents et pour moi. J'ai une copine qui viendrait de Paris, là, et je suis sur un coup, je voudrais pas cacher ça. Mais on est surchargé en ce moment. On peut mettre un lit si besoin. Si tu me dis quand ta copine vient, on peut s'arranger. Je demanderai à mes parents. Ah, mais ça, je sais pas. Ça peut être ce soir, demain, après-demain, je sais pas. Et puis, il y a pas qu'elle aussi, hein. Toi, par exemple, tu fais quoi ce soir? Bonjour, famille Morin, c'est pour les clés de l'appart. Où sont vos parents? En train de faire du shopping. Décidément. Pourquoi vous dites décidément? Non, comme ça. Quel est le numéro de l'appart?
Le 205, Adriana. Le 205. Il y a un petit problème au 205. La famille précédente est encore là. Mais enfin, on est les 16. Ça devrait être libéré depuis longtemps, non? Bon, t'énerve pas, Adriana. Moi, je suis fatiguée, on va pas attendre. C'est quel étage? Le deuxième. Bon, viens, on va régler ça. Oh non, je suis fatiguée. Viens, on y va. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle Gigi, s'il vous plaît. D'accord. C'est quoi la crêpe Gigi? Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus et dessous, parsemée de délicates pétales de rose. C'est délicieux. Oui, certainement. Mais je vais vous prendre une crêpe au sucre, avec un coca. Mais je suis désolée, on ne sert pas ça ici. Mais vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Avec la pâte, vous faites une crêpe, vous mettez du sucre et vous me l'apportez. Allez, dégage! Donc, pour qui se prend, ce mec? Allez, vas-y! Bon, à votre avis, quel est son principal défaut? Il plante pas son bâton. Il est surtout très en arrière. Ah, mais fais attention quand même! Oh, ça va, je suis débutant! Oh, ça va, je débute! Bon, on est tous d'accord pour dire qu'il est nul. Ouais, complètement nul. Eh ben, figurez-vous que c'est le moins nul d'entre vous. Oh, mais non. Bon, quel est le principal défaut d'Adriana? Elle est égoïste. Ah, c'est malin, ça. Mais non, ça, on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec le ski. J'ai l'impression, Adriana, que tu skis qu'avec une seule jambe. T'as eu un accident ou quoi? T'as une broche dans la jambe? Mais non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever un de tes skis. Et tu vas voir que les deux jambes sont indispensables. Tu vas voir, je vais y arriver. Alors, tu as bien senti là? Ouais, là, je l'ai senti, c'est bon! Toi, Claudia, j'ai l'impression que tu veux pas skier. T'es tout le temps en arrière. Mais c'est pas ça, c'est mes chaussures, elles sont trop grandes. Regarde là, elles sont serrées à fond. Ah ouais, t'as intérêt à essayer une dizaine de pointures en dessous. Tu passeras au magasin ce soir. It's May, jolly mois de mai. Girls' knees are showing. The hair is blowing all over. Cause it's May, get high as honey. Throw in money and don't ever say no way. T'es mal où? Là, à l'école, ça me lance. Relève-toi, feignasse. Oh, mais arrête tes conneries, tu vois pas qu'elle s'est fait mal? T'as mal où? Là, à l'épaule, ça me lance. Et c'est très douloureux? Oui. Oh, c'est pas grand-chose. C'est juste la tête de lance qui est sortie de son rangement. T'as du bol. Le mois dernier, on a vu ça en cours de secourisme. Donc j'ai un petit peu de pratique. Je vais te remettre ça tout de suite en place et puis après, ça ira beaucoup mieux. Tu et verras. Ça fait mal? Non. Gigi, j'aurais besoin de toi. Bon, écoute, j'aurais besoin de toi. Quand je te ferai un signal, je tirerai sur le bras de Claudia et toi, tu lui donneras une gifle de manière à détourner son attention de la douleur. Ok? Ok, d'accord. Tu m'as déjà vu pendant les cours de la FPS. Y a pas de problème, tu vas y arriver. Oui, c'est bon. Tu vas y arriver. Oui. T'es conne ou quoi? Je t'ai pas fait le signal. Mais tu m'as dit de donner une gifle. Mais je t'avais dit d'attendre le signal. T'es bête ou quoi? Mais tu m'as dit de donner une gifle pour savoir ce que tu veux. Mais t'es vraiment une cloche, c'est pas compliqué à comprendre. Oh, mais si tu expliques mieux aussi. Bon, poussez-vous, je vais le faire.
Bon, ok. T'as compris, toi, hein? Oui, j'ai compris. Viens, j'ai besoin de toi. Bon, écoute, tu fais pas comme Gigi, hein. Mais okay, j'ai compris. Tu lui donnes une gifle sèchement à mon signal. Oui. Ah, c'est bon, là. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça ne devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non, mais pour nous, si. Mais... Oh, Adriana, je suis là. Ah, oh, ça va, là. Alors, comment tu vas? Bien, bien. Mais tu dînes avec nous ce soir? Non, désolé, je peux pas, je suis sur un rendez-vous, là. J'ai un rendez-vous. Mais avec qui? Avec la fille de la prendre de l'hôtel, et je peux pas y poser à la paix maintenant, tu vois. Surtout que je suis sur le point de conclure, donc... Tu m'aides pas, là? Non, désolé, pas maintenant, mais après avec plaisir, t'inquiète. Mais tu sais, tu me sidères. Ça fait 2 jours que t'es là et t'es déjà sur un coup. Bon, écoute, Adriana, toi et moi, on a le même problème. C'est qu'on veut pas du tout compter sur notre physique. Surtout toi. Alors, si je peux donner un bon conseil, oublie que t'as aucune chance et fonce sur un malentendu, on sait jamais. Bon, moi je te laisse, je vais faire une dernière descente. Mais magne-toi, les téléskis vont fermer. Oh mais c'est Meski là. Oh Meski. Oh vous entendez quand on vous parle? C'est Meski ça. Oh c'est Meski. Oh Meski. Oh vous entendez quand on vous parle? C'est Meski ça. Désolé mais c'est Meski hein. Non c'est les miens. Ouais. Adriana Morin, vous appelez Adriana Morin? Ah non. Mais voilà, Adriana Morin c'est Meski. Excusez-moi, c'est vrai, j'ai regardé, j'ai les mêmes. Parce que vous ils sont vieux, moi ils sont neufs. Donc vous prenez les neufs, vous laissez les vieux et vous vous cassez avec les neufs, c'est ça? Vous prenez si vous voulez. Excusez-moi. Mais moi aussi, je peux me tromper, moi aussi. Elle est dingue. Oh, Sarah! Sarah, attends-moi, il m'énerve avec son bâton du bâton, l'autre. Votre forfait, s'il vous plaît. Mon forfait. Mon forfait, c'est moi qui l'ai. Un jour, vous perdrez votre tête. Ah, hein. Ça va, on sait. Et d'ailleurs, votre plan d'être du bâton, ça va vraiment pas du tout. Oh putain, je vais tuer. Non! Si vous étiez sur une île déserte avec un type de mon genre, vous tiendriez combien de temps? Bah ça dépend de ce qu'on a pour survivre. Mais c'est pas ce que je voulais dire, je veux parler de rapports humains, comme quand on est coincé dans un ascenseur par exemple. Ça je t'ai pas dit, une fois j'étais coincée dans un ascenseur avec un mec que je connaissais pas du tout. Mais c'est fou, les idées te viennent à une vitesse. Ben oui c'est ça, on est dans un ascenseur, forcément on a des idées qui viennent. Mais c'est normal. Bah oui, c'est normal. Mais oui, c'est normal d'avoir des idées de conversation. C'est bien de ça dont tu parles. Oui, enfin, à peu près, quoi. Oh, mais enfin, de là à concrétiser un petit câlin... Ouais, on n'est pas des bêtes, quand même. Mais non, on n'est pas des bêtes, il s'agit pas de ça. Mais imaginons, c'est une supposition, imaginons que les secours ne viennent pas, et compte tenu du fait qu'on ait tous des idées. Puisqu'on est dans l'ascenseur, je dis que ce serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois d'un petit câlin. Mais attention, Jean-Claude. Jessie, pardon. La différence, c'est que m'être dans l'ascenseur, il me plaisait. Ça se commande pas, ça. Bah ouais. T'as raison. Bah, où tu vas? Tout droit. Dans le meilleur des cas, je tomberai sur la station. Sinon, je m'écraserai sur un rocher. De toute façon, ce sera pas une grosse perte pour tout le monde. Salut les filles. Oh mais Jessie, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Ça veut dire que éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure? S'il y a vraiment plus d'espoir, oui. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils ne viendront pas. Dans 10 minutes, je vous considère comme perdue. Écoutez, on dirait la respiration d'un animal. J'ai peur. Une bête. J'ai peur. Une bête. Oh non. Bon ben, tant pis. Merci. Au revoir, madame. Oups, excusez-moi, monsieur. Dis donc, Kevin. Ça sent bizarre ces chips.
Bravo. Bon, écoutez, si vous changez d'avis, dites-vous de me rappeler. D'accord? Bien. Merci, madame. Oups, excusez-moi. Monsieur. Alors, tu seras combien? Deux. Normalement, deux. Elle est en route, là. Alors, Jessie, c'est avec Sarah, la fille de l'hôtel, là, le mouflon. Oh non, non. Ça, c'est une vieille histoire, ça. Non, c'est... ça, c'est vieux. Maintenant, c'est Annie. Je l'ai connue sur les pistes. Je l'ai faite tomber et puis... On s'est baptisé tout de suite, évidemment. Bon, sinon, pour demain, c'est OK, hein. Non, on peut se faire une balade en raquette, j'ai le matos. Vous êtes toujours OK? Ouais. Mais par contre, Jessie, t'es toujours pas là? Non, je peux pas venir, désolé, je suis sur le point de conclure, là, tu vois, j'ai un coup, tu vois, je peux pas annuler. Et au fait, il y a des femmes chauves, des fois, qui demandent des perruques. Tu rigoles, l'ex du président Hollande, comment ça? Ben, ça m'étonne pas, hein. Quand elle a appris que son compagnon l'avait trompée, elle a dû s'arracher les cheveux. Fais tomber son fromage dans la fondue, un gage. Elle est pas un peu épaisse là. Mais va falloir sortir les ciseaux là. Mais putain, qui a mis du fil là-dedans? C'est immangeable. Si c'est une blague, elle a une mauvais goût. Ah ben merci Adriana, c'est vraiment une blague de crétine. Mais je suis pour rien, je t'assure. Alors c'est Kevin, ils étaient dans la cuisine avec elle. Et je t'assure que non, j'arrive à la fondue, j'aurais jamais fait une connerie pareille. Mais c'est n'importe quoi, vous pouvez vous dénoncer quand même. À ce moment-là, c'est Maria. Excusez-les. Hein. Non mais c'est pas bien grave. Hein. Tu trouves que c'est pas bien grave? Moi je trouve ça complètement con de gaspiller de la bouffe. Mais Adriana, franchement, c'est pas marrant. Mais arrête! Puisque je te dis que c'est pas moi, lâche-moi, merde! C'est bon, Adriana, calme-toi. Il reste de la tarte aux myrtilles et de la salade. Qui en veut? Quelqu'un me demande du fruit? Non, merci. Le meilleur